Gabeille, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant qui dirige réellement le monde. Plongeons ensemble dans les coulisses du pouvoir et de l'influence pour démasquer les maîtres secrets qui tirent les ficelles. Alors, commençons par le groupe de Bilderberg. Ce rassemblement exclusif de politiciens, magnats des affaires et penseurs influents se réunit chaque année depuis 1954. On dit qu'ils façonnent les politiques et les économies mondiales dans le plus grand secret. Imaginez un peu les décisions prises à huis clos. Ensuite, il y a la commission trilatérale. Fondée en 1973 par David Rockefeller, elle réunit des dirigeants d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Leur but, encourager la coopération et débattre des enjeux mondiaux. Mais certains théoriciens du complot pensent qu'ils manipulent les relations internationales en coulisses. Et comment oublier les francs-maçons? Cette fraternité séculaire a toujours été entourée de mystères. Avec ses rituels secrets et ses membres influents, beaucoup croient qu'elle a un rôle important dans les événements mondiaux. Des pères fondateurs aux politiciens actuels, leur influence est considérable. N'oublions pas non plus le rôle des grandes entreprises. Des géants comme Google, Amazon et Facebook ont accumulé un pouvoir et une influence sans précédent. Ils contrôlent des quantités massives de données et ont la capacité de façonner l'opinion publique. D'une certaine manière, ce sont les nouveaux gardiens de notre monde. Cependant, il est important de se rappeler que même si ces groupes et entités détiennent un poids important, l'idée d'un seul groupe unifié contrôlant tout relève plus de la fiction que de la réalité. La vérité est souvent complexe et multiforme. Alors, qu'en pensez-vous? Ces groupes sont-ils les maîtres secrets du monde? Ou simplement des acteurs influents dans un jeu beaucoup plus vaste? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de découvertes fascinantes. Restez curieux et à la prochaine.